L'œuvre d'Alain Thomas, moi, ça m'a d'abord évoqué Bruegel. C'est formidable le tableau de Bruegel qui nous raconte des histoires simples et en même temps merveilleuses, paysages de nature, avec des hommes, des femmes, des enfants qui sont là, présents dans la simplicité de la nature et en même temps dans la beauté de cette nature au fil des saisons. Donc il y a déjà cette influence de Bruegel que j'ai découvert, et en même temps une nature sublimée, une nature magnifiée, une nature comme on aimerait qu'elle soit. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure d'écologie et de respect de la nature. Pour moi, évêque catholique, attaché à la création et à l'œuvre de la création qui est lue chaque année à Pâques, quand je regarde les tableaux d'Alain Thomas, je revis cette création du monde en 7 jours et ce Dieu qui fait jaillir les fleuves, les plantes, les oiseaux et qui installe l'homme au cœur de cette création et qu'il la lui confie d'ailleurs un peu en gérance. Et je trouve que ça résonne aujourd'hui énormément avec cette urgence de préservation de la planète.